Marre des emballages à usage unique? Notre mini-entreprise Bread & Co. a la solution. Nous vous proposons des emballages réutilisables pour lunch et boulangerie, faits entièrement à partir de matériaux recyclés. Nous les cousons avec des chutes de tissu et du plastique d'emballage de céréales qui assure une parfaite lavabilité à nos sachets. Le but principal de notre produit est de supprimer les emballages à usage unique, tels que l'aluminium ou le cellophane, parfois utilisés pour emballer les lunchs. Notre produit est en vente par différents canaux, nos réseaux sociaux, notre adresse mail, et toutes les infos sont sur notre site bread&co.be. Notre produit est éco-innovant pour de nombreuses raisons. Premièrement, le sac permet de réduire considérablement le nombre de déchets, vu qu'il est réutilisable et durable. Fini les poubelles pleines de films alimentaires et d'aluminium à peine utilisés quelques heures. Et ce n'est pas tout. En tant que fabricant, nous voulons réduire au maximum notre empreinte écologique. Nous fabriquons nos produits en équipe, de A à Z, et limitons ainsi les intermédiaires. Nous tenons aussi particulièrement à répondre au maximum aux attentes de nos clients en leur proposant un produit de qualité à prix réduit. Et cela est possible grâce aux matières premières qui nous sont données et donc sauvées d'une fin de vie précoce. Nous espérons ainsi répandre l'idée que le respect de l'environnement est l'affaire de tous, sans distinction de niveau social. La réplicabilité de notre produit est assez simple. En effet, nous avons des patrons pour chaque modèle. Ensuite, il nous suffit simplement de choisir un tissu et de respecter le patron du modèle désiré. Au vu de sa simplicité, la réplicabilité de notre produit permet une production rapide et efficace. Pour en revenir à la PACT, nous pouvons donc, grâce à cette simplicité de production, agrandir celle-ci pour augmenter de manière significative l'impact de Bread & Co. Notre mini-entreprise, elle fait attention au monde qui l'entoure. C'est pourquoi elle a décidé de réagir et de s'adapter face à cette période de crise sanitaire. La production continue, mais avec des masques en tissu. Ceux-ci permettent à chaque personne de se protéger mutuellement.